Des bastions des rebelles ADF étaient bombardés par les FRDC en territoire de Beni. C'est le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole de l'armée dans ce secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord, qui a livré cette information. Il a renchéri que ces bastions regroupaient les territoires qui tendaient des embuscades aux usagers de l'axe routier Beni-Kassindi dans le secteur de Rwenzori, territoire de Beni. Écoutez le capitaine Mwalushai dans cet extrait choisi par Emmanuel Kateri. Aujourd'hui, avec notre aviation, nous avons sillonné, marché, bombardé sur le bastion des ADF MTM, déjà détecté d'avance. Nous les avons surpris à 12h pile, l'heure même de leur prière. Nous les avons surpris, nous avons neutralisé, anéantir, marché sur le bastion de l'ennemi situé au long de Semouliki et aussi dans le secteur de Rwenzori. Donc, c'est cet ennemi-là qui, n'est-ce pas, dérangé notre population sur route Beni Kassindi. Aujourd'hui, nous les avons planifiés et nous sommes sûrs et certains que la victoire est congolaise.